Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau jeu que vous voyez qui s'appelle Spice Fly Simulator. Alors je vais vous expliquer plus tard qu'est-ce que c'est. De toute façon c'est exactement ce que vous vous expliquez dans la vidéo. Alors vous l'avez sûrement deviné, c'est un simulateur de quelque chose qui a rapport avec l'espace, si vous l'avez bien deviné. What? Ah oui, bon, je vais juste terminer cette mission parce que j'ai pas goût de la recommencer. Ce petit problème, c'est que j'ai plus de carburant. Par contre, je veux juste aller sur Mars. Pas sur Mars, sur la Lune. C'est simple, j'ai envoyé une sonde à l'autre bout du monde. Mais on recommence. Alors déjà, j'ai plusieurs fusées. J'ai Falcon 9, que la première que j'ai fait, je vous la présente. Après j'ai Aigle 2. Ah. J'ai pas vraiment l'intention de le faire décoller. Et en plus, elle a quelques petits soucis. Ça devrait pas être ça, ça devrait être ça. Bon, alors aujourd'hui on va simplement essayer de se placer en orbite autour de la Terre. C'est la première chose qu'on va essayer de faire. Comme il pèse pas beaucoup, tant mieux. Est-ce que tout va bien? Alors d'abord, ça s'est allumé, ça s'est allumé. On va mettre à 100.
Non, il faut que je le garde. Booster. Je ferme. J'appuie sur ça. Je vais vous expliquer plus tard qu'est-ce que c'est que tout ce truc. J'ai encore? Super. On va accélérer. Ah non, c'est pas encore suffisant. J'arrive pas à me placer en orbite. Je crois qu'ils n'ont pas compris. Qu'on va devoir essayer. J'arrive juste pas à me mettre en orbite. Putain, je seconde, est-ce que je transporte des astronautes? Ah, donc je suis obligé de les sauver. Mes astronautes sont morts, je crois. Bon, on recommence. Alors voilà. J'ai aussi la fusée lunaire. Ça, c'est la première, mais j'avais aussi fait un autre. C'est la fusée lunaire 2. Moi, j'en ai créé tantôt un autre. Il est peut-être un peu puissant, lui. Donc on va simplement mettre lui. Mais sinon, après, ça serait pas encore suffisant. Donc je vais devoir retirer lui, mettre lui. On va... Et voilà. Quoi? Mais le module lunaire. Le module lunaire que j'écris ne ressemble pas à ça. Il ressemble à ça. D'équiper de deux moteurs.
de ça et de ça. Voilà. J'espère que ça va marcher. Et ne me demandez pas qu'est-ce que il faisait le truc qui venait d'exploser. Oh merde. Attendez, non. On va relancer. Alors, d'abord, pour lancer, il faut d'abord allumer les trois moteurs en haut, mettre à 100%. Ah non, attendez, c'est pas maintenant. Car je vais pas tout de même attendre des jours avant que ça marche. Oui, puisque dans la vraie vie, c'est des jours. Je suis pas sûr dans le jeu, c'est des jours, mais... Et à partir de là, bon, enfin, j'ai déjà réussi la première étape de mon plan. Maintenant, on va y aller vers la lune. Quel autre bout? Là, on va y passer. Attends. Aujourd'hui, je réussis à aller sur la lune. Ben, je serai content.
car ça fait longtemps que j'essaie, j'ai jamais encore réussi. Vous avez vu? Est-ce que vous avez vu ce que j'ai envie de faire? Ah, je dois m'approcher de la... Attends, j'ai l'attitude de la lune maintenant. Celle part de l'autre direction, je crois, donc je l'ai raté. Ah, je crois que... Je sens comme si je suis un peu vicieux. Attends, est-ce que j'ai une autre réserve de carburant? Oh, il est pas très puissant notre réserve. Voilà, la mission est échouée.
D'abord, je vais charger. Voilà. Alors, je vais absolument tout effacer. Je vais vous montrer comment on fait. Ben, d'abord, vous prenez. On va faire une simple. Vous prenez. Donc, les simples, ils n'ont pas d'étage. Voilà. Prenez un réservoir. Non, nombre que vous voulez. Un moteur. Et voilà, vous avez déjà fini. Et après, si vous voulez, vous pouvez installer ça. Ah non, ça, je vais vous le montrer après. Bon, lancer. Lançons. Voilà. Une fusée simple comme ça, mais comment vous emmenez dans l'espace? Parce qu'elle n'est pas lourde. Attends, je crois qu'on a déjà des exemples. Ah oui, voilà, vous avez une fusée à deux étages. Ben, vous comprenez qu'est-ce que c'est. Vous avez une fusée. En général, une normale, elle devrait être comme ça. Puis vous avez un atterrisseur. Et on dirait presque le même celui que j'ai créé. Sauf comment j'ai créé celui que j'ai créé. Sauf, attends, je vais vous montrer celui que j'ai créé. Celui que j'ai créé, il était juste un tout petit peu plus différent. Équipé de ça, de ça, de ça. Voilà, j'étais à peu près comme ça. Non, attendez, il était équipé aussi de ça. Voilà. Regarde, attends, je vais sauvegarder. Attends. Voilà. Sauvegarder. Vous aussi envoyer descendre. Vous avez ici plein de choses, des moteurs. Je vais juste vous montrer quelque chose. Voilà. Donc d'abord ça là. On va enlever ça là. Vous avez ça. C'est le séparateur. Je vais vous montrer qu'est-ce que c'est. Comment ça est trop lourd pour décoller? Ah oui, c'est vrai, j'ai enlevé les posters. Attendez, je vais prendre l'une de mes fusées. Bon, tu envoies prendre elle. Alors, vous avez les séparateurs latéral, les séparateurs normal. Je vais vous montrer qu'est-ce que c'est. Merci, Jean-Michel.
latérale que tu peux fixer. Oh non. S'il te plaît. Tu peux faire tout ce que tu veux. Si tu veux, tu peux même les coller. Attends, je vais essayer de créer un modèle de fusil vraiment bizarre. Et aussi les coiffes. Tu peux vraiment créer ce que tu veux. C'est pas parce que tu peux créer tout ce que tu veux que la fusée va nécessairement marcher. Parce que ça se peut que tu la crées mais que c'est un désastre. Ou alors, qu'est-ce qu'on pourra faire d'autre? On pourra désajouter ça. Pour rendre ça à l'inversé. On a bien comme ça, comme ça. Bon, ça fait un résultat quand même un peu bizarre. Voilà. On pourrait même lui fixer des roues. Ah oui, j'ai une petite idée. On tire ça. On va fixer des panneaux. Ce serait comme un peu la plate. Hein? Oui, ah oui, c'est vrai. Il faudra tout de même pas que clencher nos astronautes. Je sais pas si elle est trop lourde ou si elle est bien. Mais on le saura. Voilà. Ça veut dire transporter la fusée. Comment ça roue activée? Activer. Ouverture du parachute. On va arrêter ça. Je suis pas sûr que ça pourra nous. Que ça va le... Oh merde. Ah ben les roues nous ont sauvés. C'est ce que ça fait. Voilà. Alors j'espère que vous avez aimé ce nouveau jeu. La prochaine fois, on va faire beaucoup plus longtemps. Puis voilà. Alors, bye. Aussi, l'extension que vous pouvez acheter. Attends, est-ce que je peux l'acheter? Combien ça coûte? $10. Alors, bye.